il y a longtemps, quand j'ai lu pour la première fois ce texte que je vais vous lire de saint Paul dans l'Épître aux Romains, j'ai été très surpris, très étonné. Au chapitre 8, au verset 22. Nous le savons en effet, la création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement. Elle n'est pas la seule. Nous aussi, qui possédons les prémices de l'Esprit, nous gémissons entièrement. Bref, c'est étonnant, dans ce texte, on a l'impression que la nature, la création, c'est une personne. Et une personne qui est liée à l'homme, parce qu'elle gémit, mais nous aussi. Et elle gémit en attente, nous dit saint Paul, de la révélation des fils de Dieu. Comme si la création attendait que les fils de Dieu, l'humanité, nous autres, nous vivions quelque chose. Eh bien maintenant, je comprends mieux. Depuis la dernière encyclique du pape, dont on va vous parler, l'encyclique Laudato Si, j'ai compris que ce texte de Paul était vraiment prophétique. Et pour comparer les choses, je dirais, imaginons un couple, l'homme et la femme. Mais la femme, c'est la nature. Et dans ce couple homme-nature, il y a un enjeu fantastique, qui est un enjeu de vie ou de mort. Et en ce moment, la question très grave, c'est que de plus en plus, et le pape n'est pas le seul, on reconnaît que l'homme, l'espèce humaine, et de toutes les espèces végétales, animales, qui existent depuis longtemps sur la planète Terre, elle est l'espèce la plus destructrice, la plus dominatrice. Maintenant, l'homme, l'espèce humaine est partout dans le monde entier, même dans les airs, dans le ciel. Eh bien, l'homme est en train de détruire la nature. Comme si dans ce couple, un homme et une femme, l'un détruit l'autre. C'est l'homme qui détruit la nature. Et là, c'est une vraie question assez dramatique. Car l'homme vient de la nature et l'homme va à la nature. Nous sommes liés. Alors, en fait, ce film est rempli d'espérance. Il montre qu'il y a quand même une solution. Et lorsqu'il y a l'harmonie entre l'homme et la nature, c'est un paradis. Ce film nous raconte l'histoire d'un paradis sur Terre. There are stories that bring hope. The one that follows takes place in Benin. It holds future promise for the African continent and beyond. Born in Nigeria, Godfrey Nzamuju is in the process of exploding the myth that Africa is incapable of solving its own problems without outside help. In the 1980s, when he was working in a laboratory in the United States, he was deeply touched by the terrible images of famine and drought coming from Ethiopia. Je voyais ces images tous les jours et ça m'a bouleversé. J'ai dit bon. Ce n'est pas la peine. Je suis scientifique, je suis prêtre catholique, je suis dominicain à la recherche de la vérité. Qu'est-ce que je fais ici? Pour moi, c'est un appel, comme dirait saint Paul, viens à Macédoine pour nous aider. Donc j'ai entendu cet appel, mais je ne savais pas comment répondre. Donc j'ai posé cette question à mes amis, à mes parents. Ma première réaction, c'est quoi? C'est comme tout le monde. Aller distribuer les vivres. Aller humanitaire. C'est bon. Mais mon papa m'a posé la question, est-ce que c'est la meilleure manière de le faire? Il faut soulager les gens. Mais au lieu de soulager seulement, c'est aussi important de transformer. Passer de soulagement à une transformation qui est plus durable. Et c'est ça le commencement de Sangaï.
Songhai was the name of an empire, a trading crossroads in a large area of West Africa in the 16th century. This new sustainable development initiative, dating from 1985, draws on this historical precedent. J'ai commencé avec une dizaine de jeunes qui ont quitté l'école, anciens prisonniers. Ça ne poussait même pas le mauvais air. C'était un grand projet international. Les Européens et les Africains, centre horticole et nutritionnel. C'était ici. Mais ça devient un désert parce qu'une mauvaise technologie. Pour moi, ça représentait l'ancienne agriculture. Et le développement, c'est simplement quand un peuple est capable d'amasser les forces intérieures pour voir les possibilités qui existent d'abord, pour les capter, pour les transformer en bien un service qui correspond à nos besoins et désirs. Donc c'est ça la logique du développement. Nous sommes donc arrivés ici, un hectare seulement, même un peu moins d'un hectare. Mais je voulais marquer le point, il faut créer ce système intégré. Quelques poules, quelques porcs, le jardin piscicole en même temps. Je voulais montrer ce qui est important n'est pas l'argent et même pas la bonne terre. Ce qui est important, c'est l'homme. L'homme qui a une vision, qui a l'homme qui a courage, l'homme qui a une technique. Donc, technologie qui s'appelle authentique. Une technologie qui colle avec cette réalité aujourd'hui. The development model promoted by Songhai integrates all production factors to obtain perfect synergy between plant, animal and fish production. The waste of one section becomes the raw material of another, thanks to recycling. Songhai's success is due to integrating different dimensions of life, to uniting five basic capital assets. First and foremost, bioenvironmental capital, a share of the resources of the ecosystem, Africa's often misused but primary treasure by its richness and diversity. Capital environnemental, la force de ça, c'est les micro-organismes qui sont énormément. C'est des milliers, des milliers, des milliers qui nous dirigent au niveau de notre santé, au niveau de l'environnement, au niveau de la production. Mais c'est une ressource capitale négligée, même opprimée, même détruite aujourd'hui, qui nous amène à la catastrophe. Donc pour nous maintenant, Songhai prend ça au sérieux. Dans le laboratoire, vous allez voir ici, ce n'est pas le laboratoire, c'est modeste. Pour montrer que c'est à la portée de tout le monde. Donc, vous voyez, mais ce qui est bien, les tenues en eau est faible. Donc, c'est plus facile de sécher. On va extraire les jus là-bas. C'est vraiment tous les vitamines. C'est vraiment le don de Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est les plantes qui peuvent sauver le monde. Mais ça ne se trouve pas aux pays riches. Mais se trouve aux pays pauvres. Mais on ne le voit pas. On a assez de liquide. On peut l'utiliser pour nourrir les poules, l'homme, partout le sol. Donc voilà. On a fait ça, développer cette force qui n'est pas comme n'importe quel produit chimique dans le monde. Ça ici. Vous êtes ici dans une des sous-unités de la fertilisation du centre Songhai. C'est la confection d'un tas de compost. Et nous utilisons des matières organiques d'origine végétale et animale, que ce soit les fientes des volailles et les déchets et venant des bas des autres unités du centre Songhai. Donc c'est ce que nous utilisons ici. Tout ce qu'ils n'utilisent pas là-bas deviennent des produits pour nous. Premièrement, on met les végétaux en bas. Et après les végétaux, on arrose. Lorsque nous arrosons, nous mettons les fientes. Pourquoi on met les fientes humides? C'est pour que les feuilles qui sont en bas soient se décomposées vite. C'est une très grande joie de travailler ici. Oui.
Pourquoi? Vous voyez, dans toute la maison, nous sommes sollicités. C'est vrai que nous sommes même la base de la production biologique de la maison. Et nous sommes sollicités tous les jours. Quelle joie, parce que tout le monde vient vers vous. Donc nous sommes utiles en quelque sorte. Nous sommes très utiles pour le centre Songhai. Human resources are the second lever for genuine sustainable development. With a view to integrated ecology, human beings are at the heart of the Songhai project. They're called on to show creativity and imagination in their own situation. L'homme qui est capable de voir, d'interagir, l'interaction, de vivre en harmonie et fait monter cet environnement. Sa mission, c'est d'abord comprendre, accompagner. Ce qu'on a dit au niveau de la date aussi, vous voyez, c'est la même chose. The biological laboratory enables new experiments to be carried out. Here, the residue of palm trees is incubated and used to enrich production in a completely different food sector. Mushrooms. Les champignons sont une très bonne substitution à la viande et au poisson et ça contient assez de protéines, c'est riche en minéraux surtout et les vitamines B. C'est bon aussi pour la croissance au niveau des enfants et les personnes du troisième âge qui ont besoin à ce stade de beaucoup de protéines et de minéraux. Songhai sewage is filtered and purified by water hyacinths. Here, this plant, a real nightmare for fishermen, replaces water treatment plants. The filtered water is used for watering and its nutrients benefit the surrounding crops. The fish also benefit from this water, because of the nutritional elements coming from its plant matter. It's thanks to a system of communicating vessels that work by decanting that the water regenerates. Vous voyez, c'est le complexe piscicole, c'est inséré dans la réalité écologique. Pourquoi ici? C'est pour favoriser le recyclage. On a mis le micro-organisme, on a fertilisé l'eau. Avec l'eau maintenant, on utilise ça pour irriguer. Là-bas aussi, le moringa que vous avez vu, on a coupé ça ici. Et c'est cette unité qui a produit ça. L'eau qui sort d'ici ne pollue pas. Au contraire, ça renforce la productivité, ça renforce l'environnement. Et la qualité du poisson est mieux. Et donc voilà ce que vous voyez ici là, parce qu'on a pris le temps pour regarder et notre guide, nous sommes alignés, nous sommes au niveau de, nous sommes boussolés par la nature et c'est ça, donc c'est l'humilité, c'est que le Saint-Père dit, nous sommes des gardiens, nous ne sommes pas le roi, mais c'est la science qui nous aide à écouter la nature. According to Laudato Si, we have the freedom needed to limit and direct technology. We can put it at the service of another type of progress, one which is healthier, more human, more social, more integral. Il faut que ce n'est pas n'importe quelle technique, n'importe une technique qu'on appelle authentique, qui amène les bienfaits dans tous ces aspects. Au niveau de la productivité, au niveau de l'environnement, au niveau des qualités de production et tout ça. Donc nous sommes à la recherche de tout ça. Producing energy using waste products is at the heart of this model of the green rural town created by Songhai. Vous êtes venu dans une unité de production de biogaz. Ce gaz est produit à partir des matières organiques d'origine animale
végétale, voire humaine, ou bien des matières issues de la transformation agroalimentaire. Les filtres devant nous nous permettent d'éliminer les gaz indésirables. Il va rester seul le méthane utilisable pour les machines. L'électricité produite est envoyée dans le réseau pour alimenter les industries qui sont devant nous, c'est-à-dire l'administration, même le jardin en énergie. Un quatrième, c'est quoi? Social, culturel. Dans les villages africains, c'était la monnaie, c'était la famille. Mais aujourd'hui, on est déchiré. On a vendu notre âme. On a sacrifié ça sur l'autel de ce que j'appelle avidité. L'argent, le pouvoir et tout ça. Donc, cette qualité africaine des relations est perdue. On voit nos frères et sœurs comme les éléments à monnayer. Donc, il fallait aussi que l'Africain regarde dans sa culture ce qui est noble. Ce qu'on appelle l'Africain, c'est l'Africain qui respecte la nature, qui respecte la relation, qui respecte les anciens, qui est vraiment. Donc, c'est important pour nous. Oui, moi, ce que je viens de voir là est un bon exemple, je dirais un modèle pour ce que nous appelons le développement auto-centré, c'est-à-dire que les Africains, et d'ailleurs les peuples du monde, peuvent compter sur eux-mêmes pour assurer leur propre développement. On n'a pas besoin de s'expatrier pour faire ce que je viens de voir ici avec des moyens plus ou moins modestes. Donc, c'est une grande source d'inspiration pour moi. Mais le cinquième, c'est l'argent. C'est important. Mais donc, l'argent, c'est le rôle, ça, c'est l'argent qui est fluide, qui peut nous aider à renforcer les autres. C'est le rôle de l'argent. Donc, on remet l'argent à sa place comme facilitateur, mais pas le maître du monde aujourd'hui. Or, notre monde aujourd'hui, c'est l'argent qui prime, c'est l'économie qui prime. D'où on a développé ce que j'appelle économie de communion. L'économie de communion, c'est apprendre quelqu'un à pêcher. Il est libre toute sa vie. Mais si tu nous donnes le poisson aujourd'hui, tu vas encore le donner demain. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, c'est l'homme debout. Et je crois que c'est l'idée première de Songhai. Et ce projet-là a commencé il y a 30 ans. Donc, avec le projet Songhai, on sort de cette mentalité de l'assistanat pour l'auto-prise en charge. Et je vois beaucoup de jeunes qui ont été formés aujourd'hui au projet Songhai et qui sont à leur propre compte. Parce qu'ils ont compris que désormais, on ne peut pas continuer de tendre la main, mais il faut soi-même faire l'effort d'assurer, je dirais, sa propre sécurité alimentaire, d'assurer ses propres besoins, ceux de sa famille, ceux de son environnement. Je suis là pour la formation en entrepreneuriat agricole et pour une durée de 25 mois. Donc, me perfectionner pour pouvoir gérer le patrimoine de l'église, les fermes et arriver à faire des animations. C'est une manière d'annoncer la parole de Dieu à pratique, en action. J'ai trop de choses ici à apprendre et puis dans le système intégré, justement. Je suis optimiste, je vais réussir. Oui, le Congo, c'est vraiment un réservoir agroécologique.
One of the main purposes of Songhai is for passing on knowledge, in particular training in sustainable agriculture. The Songhai Leadership Academy aims to provide a pool of entrepreneurs throughout Benin and the rest of Africa. Today, we're going to visit the Center for Agricultural Entrepreneurship, which is in Ketu, 120 kilometers north of Porto Novo. Tout ce que vous voyez comme différentes sessions constitue un cadre de formation pour les apprenants. Nous sommes sur 110 hectares environ. Ici, ils sont en milieu réel. Nous dirigeons vers la lapinière où vous allez voir les apprenants tout de suite en activité pédagogique de formation et de production. On les forme dans la pratique, le savoir-faire faire aux apprenants et la responsabilisation de l'apprenant, c'est-à-dire à un moment donné, le maître recule un tout petit peu et l'apprenant est en activité directe. Toutes ces phases-là sont appréciées avec des outils d'évaluation. We get on the road and head to the Songhai Center at Savalou. Here, the students learn the secrets of cultivating cassava and rice, as well as how to rear pigs and fish. This all takes place in a natural environment. Le matin, on nous envoie le manioc, on épluche les manioc, et après, on met ça dans le sac. Le troisième jour, on commence à griller. Nous faisons aussi le gari amélioré avec le coco, le lait, du sucre, etc., etc. Et ça, ça nous donne du bon goût. Nous faisons ça aussi. Background music is provided here by nature's own symphony orchestra. Listening to radios or smartphones is not allowed during working hours, even with earphones. This means they can be in touch with nature and with their teammates too. The fruits of Songhai go far beyond the confines of its own centres. Kemi set up his own business a few years after his training there. He and his wife Delphine now specialise in the rearing of chickens and the small-scale production of palm oil. Ça fait 16 ans que je me suis installé. Je produis un peu de tout, tout ce que j'ai appris au sein Songhai et un peu plus de ce que moi-même j'essaie de réfléchir et d'insérer. Et nos poulets bicyclettes ici au Bénin mettent du temps à grandir et ils ne sont pas productifs. J'ai essayé de ramener des poulets et de l'extérieur que j'ai croisé et j'ai mis 4 ans pour faire cette sélection. Et c'est des poules qui grandissent très vite et ils sont très productifs aussi. Voilà, donc c'est les poulets qui sont très recherchés. Et ça me permet aussi d'embaucher des jeunes déscolarisés ou ceux qui sont en chômage et qui travaillent avec moi. Je reçois des stagiaires de tous les lycées agricoles. J'ai été décoré en 2006 par le président de la République, chevalier de l'ordre mérite agricole. In the outskirts of Cotonou, Domiti, who's French, and Father Serge, Franco-Benin, have founded a special place for children, the Damien de Molokai Centre.
Nous avons envie de mettre en œuvre très concrètement cette encyclique du pape où tout est lié, où l'esthétique, la pédagogie et l'économie sont articulées en vue des enfants. Le père, le frère Nzamudjo a initié une école qui est une référence pour tous. Moi-même, comme séminariste, j'ai eu l'occasion d'aller faire plusieurs stages à Songhai. J'ai eu l'occasion encore récemment d'aller séjourner, j'y vais souvent. Et nous voulons qu'ici soit un peu dans la manière de concevoir l'environnement, dans la manière aussi d'articuler les plantes. Voyez, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est une logique de transformation. Et tout ça ordonné à la promotion de l'homme dans toutes ses dimensions, eh bien nous sommes d'une certaine manière héritiers et reconnaissants vis-à-vis de ce geste initié par Songhai. Ce qui me tient à cœur pour la cité d'Amiens, c'est vraiment que ce soit un espace qui soit dédié à tous les enfants, que tous les enfants puissent venir jouer, développer leur créativité, développer leur talent, et que voilà, ça leur permette de se construire, peut-être de progresser aussi à l'école. Cette culture que nous essayons de mettre en place, elle a le goût de l'évangile. Elle a le goût de cet évangile que le pape François a décliné pour nous dans cet immense texte qu'on appelle Laudato Si, où véritablement toute la création est en louange, toute la création gémit. L'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Toute la création est portée par Dieu pour être à sa gloire, mais dans cette gloire-là, l'homme aussi, il prend sa part. Il y a 4 ans aujourd'hui, j'avais des problèmes, j'ai dû faufiler l'analyse pour vraiment voir. Le résultat, c'était que j'avais le cancer qui allait vraiment grandir vraiment vite. La première réaction était la peur parce que de tout d'un coup, j'ai changé. Je me suis, au lieu de fuir cette réalité, je voulais l'embrasser. Embrassant, je découvrais que cette fragilité, ça fait partie de nous. Ça m'a fait penser au niveau de ma science que tout bouge, tout change, tout vraiment changé. Le péché et le malheur et la douleur, c'est qu'on refuse ce mouvement. Une fois que j'ai embrassé la fragilité, la courte de vie, j'ai trouvé une force extraordinaire. On n'a pas le temps de haïr, on n'a pas le temps de faire ça. Tout le sang qu'il fait, mais c'est comme si quelque chose a tombé de mes yeux. J'ai commencé à voir ce que je ne voyais pas. J'ai commencé à regarder les gens autrement. Et j'ai commencé à communiquer ça avec les autres personnes. From the Gospel of Luke, chapter 13, verses 18 and 19. Jesus said, "What is the kingdom of God like? To what shall I compare it? It's like a mustard seed, which a man took and planted in his garden. It grew and became a tree, and the birds perched in its branches." Lord, we pray for all men and women who are engaged in developing our world in harmony with creation and with humanity at the center. We pray that we ourselves will also be concerned by this challenge of taking care of the garden of the world so that it can be passed on to future generations. Teach us to find a sense of balance and respect for boundaries in humility and praise. Open our hearts to be able to share the good things you give us. Yeah, 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 yeah.